Yield plus 20? 75%. Ok, increasing 75% of 6. Dans tout fonction, dans tout travail, il y a toujours des challenges. C'est ça qui a fait que la direction générale du port Trump de Cotonou, et en collaboration avec le PAI, et parrainé par Nabel, nous ont trouvé une formation. On est à 4000 km du Bénin, précisément, c'est assez loin, mais on a simulé, on a modélisé le port de Cotonou pour pouvoir tenter de nouvelles manœuvres avec un nouveau type de matériel, c'est-à-dire de nouveaux remorqueurs. La formation qui était organisée ici, c'est de venir s'exercer sur le simulateur. Parce que chez nous, au Bénin, il n'y avait pas de simulateur. Donc on est là ici pour apprendre à adapter notre manœuvre à ce changement de matériel et essayer de voir dans quelle mesure on peut un peu améliorer ou changer la façon dont les navires sont manœuvrés au port de Cotonou. Le but, c'est voilà, d'augmenter la taille et de sécuriser également la manœuvre. Le simulateur sert à vivre la réalité, c'est-à-dire la manière dont la mer se comporte, le vent, le courant, y compris tous les aspects climatiques. On a vraiment en fait une projection à 360 degrés d'un environnement de navire. Donc vous avez vraiment l'impression que vous êtes sur un bateau et c'est des images qui sont projetées tout autour de vous. Vous avez des commandes également de navires qui ont été fabriquées et vous devez agir sur ces commandes qui sont elles physiques et vous avez un impact sur le virtuel qui est autour de vous et qui bouge en fonction des ordres que vous donnez. Ça a un comportement assez proche de la réalité. Et la façon dont vous vous comportez en réalité, c'est quasiment la même chose que ce que vous faites dans le simulateur. Nous sommes trop contents par rapport à cette formation. Le travail se déroule très bien et est très intense. Les méthodes de travail ont changé, le système des manœuvres ont changé, et puis tout a été changé. On essaie tout le temps de repousser les limites, d'être toujours dans les conditions les plus difficiles possibles, parce que si on s'en sort dans les conditions les plus adverses dans la réalité, ce sera beaucoup plus confortable.